Aujourd'hui, on va voir comment réaliser un backside 360, un back 3. C'est donc le 360 le plus facile à réaliser puisqu'on voit rapidement la réception à condition d'avoir une bonne prise d'appui, une bonne trajectoire au départ. On va regarder ça tout de suite sur le kicker. C'est parti. Position de préparation, trajectoire, je prépare et je replaque. Ce qui va être très important va être la position de préparation. On va donc faire une flexion, on va armer le haut du corps. Donc ici, je vais plutôt tourner le haut de mon corps face au kicker, fléchir, chercher une prise de carre avec les orteils. Idéalement, le genou ici qui va planter la carre, le genou avant un peu moins de manière à pouvoir ouvrir. Et au moment du déclenchement, je vais pouvoir me grandir en envoyant bien ce coude avec le regard au-dessus de l'épaule pour envoyer la rotation. Très rapidement, vous allez voir la réception ici. Donc c'est rassurant, on peut se laisser tourner et à la fin, on peut ajuster l'angle de la planche simplement avec les hanches ou bien, si jamais on finit la rotation tout le corps ensemble, on peut terminer comme ça en venant sur les orteils. Mais ne vous inquiétez pas, si vous êtes là et que vous n'avez pas fini la rotation, on ramène simplement avec le bas du corps, les jambes, et vous allez pouvoir terminer la rotation. J'espère que cette petite vidéo t'aura aidé à apprendre les 3-6 backs. Si jamais tu as des questions, pose-les en commentaire. Si ça t'a plu, bien sûr, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Et si tu veux plus de contrôle de ta board sur les pistes, n'oublie pas d'aller voir les e-learnings de la Nomad Snowboard School. Ciao, ciao!